16 juillet 1969, 9h32, l'histoire s'écrit. La fusée Saturne V décolle de Cap Kennedy, aujourd'hui Cap Canaveral, direction la Lune. À son bord, trois hommes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Quatre jours de voyage dans l'espace avant d'atteindre notre satellite. L'événement est retransmis en direct à la télévision et c'est face à des centaines de millions de téléspectateurs que Neil Armstrong prononce cette phrase, désormais connue de tous. L'homme marche pour la première fois de son histoire sur la Lune. 22 kilos de roches sont récoltées. L'exploit technique et scientifique est extraordinaire. À leur retour sur Terre, le 24 juillet, les trois hommes sont placés en quarantaine, puis accueillis en héros.